Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, une vidéo assez problématique, j'ai envie de dire. On va en parler d'un sujet qui va arriver à terme d'ici un mois environ, hein, parce que le temps que tous finissent le Shane Compan, fassent tous les Force Challenge, donc pour récupérer tous les diamants, que tous finissent l'exploration map. Que tous finissent l'union, tout ça, le training. Et une fois que tous aura fait les épreuves de vitesse comme force jusqu'au niveau 23, parce que je répète que niveau max c'est niveau 23, et que on a fait le niveau max de ça, donc ça je sais pas encore c'est quoi le niveau max, mais et encore le temps pour progresser et monter, honnêtement je pense qu'il va nous falloir au moins 3 mois, 4 mois pour finir. Pourquoi? Parce que le problème, je vais le dire, le problème c'est que pour la force bleue et vitesse, enfin vert et vitesse, tout simplement les gars, il faut avoir plus de puissance pour être sûr de réussir le niveau. Tu peux pas faire un niveau sans ne pas avoir assez de puissance. Pourquoi? Parce que si t'as pas assez de puissance et que tu fais le niveau, tu vas prendre le double ou le triple de dégâts que tu pourrais prendre si par exemple t'avais plus de puissance. C'est comme ça. Malheureusement, t'arriveras pas à passer le niveau si t'as pas assez de puissance. Alors que justement dans les épreuves de bleu, rouge, vert, ils te demandent pas beaucoup de puissance, ce qui veut dire tu pourras largement finir le niveau bleu, vert et rouge facilement d'ici, allez, un mois, le temps qu'on continue encore à de level up et tout. Enfin, un mois. Allez, d'ici 3 semaines environ. Allez, d'ici 3 semaines, 2 semaines, on pourra finir fort le bleu, vert et rouge facilement jusqu'au niveau 23. Par contre, pour faire l'épreuve infinie, ça va être autre chose. Ça veut dire que là, déjà, je sais même pas c'est quoi le niveau max. Et disons que tu pourras pas autant progresser que sur le puissance bleu, enfin le rouge, bleu, vert, parce que là, ça va te demander beaucoup plus de puissance pour passer le niveau et pour avoir assez justement pour affronter l'ennemi, quoi. Donc, pour te dire que moi, sur mon autre compte, j'ai pile assez de puissance et je suis au niveau 73. C'est chaud. Donc voilà. Bref, voilà sur ça. Et du coup, je voulais vraiment vous parler de tout ça, parce que toutes les choses que j'ai citées, c'est des méthodes pour avoir des diamants. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que vous aurez fini le Shane Compan, donc d'ici un mois ou d'ici quelques semaines, déjà on n'aura plus de diamants à farm parce que le niveau max c'est 300. Donc s'ils rajoutent rien d'ici là, ben on va attendre pendant quelques temps. Si vous avez fait tous les Force Challenge pour récupérer tous les diamants, vous savez par palier de boss, vous avez plus rien à récupérer en diamant. L'exploration, une fois que vous avez fait clean toutes les maps au moins une fois, ben vous avez plus de récompenses à récup en haut à droite. Vous avez juste les récompenses à récupérer tout ça là sur la map. C'est tout. Donc t'as plus de diamants à récupérer. Le training, une fois que tu l'as fait, ben t'as tout fait, ben t'as plus rien à récup. Et l'épreuve, une fois que vous aurez tout fait, vitesse, bleu. Enfin, les trois cases ici qui n'est pas encore dispo. Une fois que vous aurez tout fait, vous aurez plus rien à récup jusqu'à temps qu'ils rajoutent peut-être des levels plus tard. Et l'épreuve infinie, vous aurez des diamants récup, mais comme dit, vu qu'il faut avoir plus de puissance et vu que ça va demander énormément de puissance pour réussir le niveau. Vous êtes pas prêt de finir le niveau et voilà, vous serez pas prêt, quoi. Il faudra attendre plusieurs mois, ça va se faire sur plusieurs mois et c'est assez dur. Après, le truc positif, c'est que par palier, tu peux avoir des boss et par boss, tu peux choper 1000 diamants. C'est le seul point positif de ça, mais c'est chaud, quoi. C'est très dur parce que le problème, c'est que vraiment, si t'as pas assez de puissance, tu vas te prendre le triple de dégâts parce que t'as pas assez de puissance. Donc c'est quasiment impossible, quoi. Il faut attendre à chaque fois d'avoir assez de puissance. Voilà, bon, moi je dis ça comme ça. Et du coup, bah, une fois que t'as tout fait, bah, t'es limité en diamants. Tu vas faire comment pour les diamants? Juste là, réfléchis juste et dis-toi, tu vas faire comment pour les diamants? Parce que imagine-toi dans la semaine,
T'as fait, imaginons pendant que le carnaval est là, t'as fait déjà le carnaval est là. Donc tu vas faire le maximum d'étages que tu peux. En plus de ça, tu vas faire l'émission quotidienne. Donc ok, ça va récupérer. Le carnaval, il faudra attendre le reset pour pouvoir refaire. Et encore, tu vas être limité. Du coup, bah, tu vas pas pouvoir faire plus d'étages pour récupérer le maximum de diamants. Donc juste avec ça, tu seras limité. Tu n'auras pas non plus énormément. Tu auras seulement les missions quotidiennes à faire. Tu auras ça. Voilà. Tu auras éventuellement les events quand ça viendra pour récupérer des diamants. Donc c'est tout. Tu auras le boss de guild quotidienne avec le reset à récupérer. Tu auras 1000 diamants récupérés. C'est tout. Voilà. Et puis tu auras à la rigueur le système de reset les équipements pour avoir des diamants. Donc là, à la rigueur, faudra farm à mort les équipements pour avoir justement beaucoup de diamants, quoi. L'histoire, on sait pas quand est-ce que ça va être ajouté. Donc là, je pense qu'on peut attendre perpète. Donc honnêtement, là les gars, ça va être un petit peu limité pour les diamants. Je sais pas si on se rend compte, hein. Je sais que le jeu est généreux dans le sort où tu as quand même beaucoup de diamants. Mais là, dites-vous que après le bonus de connexion, les gars, t'auras plus les 1500 diamants là pour la globale. Tu vas avoir juste de 100 diamants et c'est tout. Donc là, on va arriver dans une période de la globale où on va se rapprocher comme la CIA. Parce que la CIA, c'est à peu près le même niveau, hein, parce que moi, je suis à ce stade-là, hein. Il me reste 30 levels, j'ai fini le battle en chaîne, donc j'aurai plus rien à farm. Le trial, ben comment dire, je suis en chemin pour clean le vert et le bleu, non, le vert et le rouge, parce que j'ai clean le vert, non, le bleu, pardon. Donc il me reste deux à faire, et ensuite, ben, je serai bloqué pour le trial Hall. Parce que Trial Hall, comme j'ai dit, bah, ça demande énormément de puissance. La difficulté de puissance qu'il te demande, c'est élevé. Et ça va être très, 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 très chaud. Voilà. Donc, autant vous dire que sur Alacia, je remarque, hein, je me dis, mais je fais comment pour farmer des diamants? Et là, je suis en train de me dire, mais putain, je suis un peu dans la merde, en fait, hein, pour farmer des diamants. Donc là, vraiment, les gars, à partir d'un certain moment, sur la globale, va falloir vraiment faire très 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 attention pour invoquer. Là vraiment, faudra pas se dire putain, ce personnage-là il est bon, je le veux parce que j'aime bien ce personnage. Faudra vraiment se dire j'invoque sur les personnages limited parce que c'est des personnages limited. Là vraiment, faudra appliquer cette option-là sur les futures bannières. Genre, je rigole pas, je suis en train de me rendre compte là vraiment que ben, c'est compliqué. C'est compliqué, genre vraiment. Donc, ouais. D'ici quelques semaines, il faudra vraiment partir du principe que là, va falloir qu'on arrête de pull. Une fois qu'Outa sera passé, on arrête de pull sur les personnages no limited et vraiment pull que sur les personnages limited. Donc là, moi, je pense que je vais essayer d'appliquer ça maintenant parce que là, je me rends compte que c'est beaucoup trop chaud là sur la CIA. Il n'y a rien à farm, c'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est tout, je voulais vraiment parler de ça un peu. Bon, je sais que j'ai pas trop proposé de gameplay en attendant, mais je voulais vraiment parler de ça parce que moi je suis en train de me rendre compte sur la CIA que bah, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Donc après, je pense, oui, la méthode, ça va être de farm à mort les équipements. Donc ça, comment? Bah, faudra spam ça, tout simplement en boucle, et récupérer le plus de missions possible. Et voilà, hein. Je pense qu'on n'aura pas le choix, hein. Ça va être que ça, il va falloir rester sur le jeu. Faire un chrono pour voir combien de temps que ça dure l'émission, et à chaque fois que tu reviens et tu relances, genre tu fais, imaginons, donc 14 minutes, tu reviens et tu mets un chrono et tu relances à chaque fois. Je pense que ça sera ça la strat, mais il va falloir vraiment spam l'émission et choper le maximum justement d'équipements SSR et les revendre pour avoir justement beaucoup de diamants. Je pense que ça va être ça la strat parce que là, les gars, honnêtement, je vous le dis, hein. Ça va devenir très 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 chaud et très 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 limité. Parce que une fois qu'on arrive au même niveau que la CIA et qu'on a fini le chaîne campagne, on n'a pas la suite du mode histoire, on a fait l'exploration, on a fait le training, on a terminé les trois trials bleu, rouge, vert, niveau 23, qui rajoutent rien pour l'instant, ben on va être bloqué. Et trial, pareil, le trial Hall, ça va être chaud, on va être bloqué. Donc, je peux vous garantir que niveau diamant, on va être très 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 limité d'ici quelques semaines, voire un mois.
Voilà. Je préfère en parler là parce que moi je suis en train de le constater sur la CIA et je suis un peu en PLS, tu vois. Donc je préfère vous le dire parce que ben je suis en PLS quoi. Donc après je sais que certains vous allez dire ouais, nous on a beaucoup de diamants ou j'en sais rien. Mais moi je vous dis ça, vous prenez pas. Hein. Moi je vous conseille juste de faire attention à vos diamants à partir de maintenant, de vraiment invoquer sur des personnages limited après Outa. Et skip les personnages qui sont pas limited. Ça sera vraiment le truc que je vous conseillerais parce que là, d'ici quelques semaines, un mois, ça sera pas la même chose niveau diamant. S'ils rajoutent pas de contenu pour le trial, pour le mode d'histoire, pour la chaîne campagne, on va être dans la merde. Donc après avoir la globale, c'est différent, mais vu que nous, ça fait déjà au moins 3 semaines, voire un mois presque. Qu'on a plus d'ajouts sur le chaîne compagne ou même le trial, on n'a rien eu du tout. J'ai envie de vous dire que niveau diamant, une fois que t'as tout fait, bah, t'es un peu dans la merde. Hein. Honnêtement, va falloir skip, pack les diamants, penser à farm bien les resets, le carnival, les missions du carnival, etc. etc. Mais il va falloir être vraiment très 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 soigneux sur les diamants. Voilà. Donc je voulais vraiment vous parler de ça, parce que c'est quand même de quelque chose de très important, parce que c'est gros point négatif du jeu pour l'instant, c'est que là, une fois que tu auras tout fait, tu seras dans la merde. Tu seras dans la merde. Mais vraiment. Ok, je suis d'accord, le jeu est généreux et tout, c'est normal, c'est le début. T'as le bonus de connexion qui te donne 1500 diamants, ouais, on prend et tout. Mais après, une fois que tout ça sera fini, ça sera pas la même chose. Je peux vous garantir. Après, on verra, vu que là, on va approcher la période aussi de Noël. Donc peut-être le mois de décembre, on aura aussi le bonus de connexion, Noël, tout ça, avec la nouvelle Inami. Enfin, j'espère. Mais ouais, hein, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo un peu ralement, je me plains, je sais pas, mais pour vraiment vous prévenir d'un sujet important parce que bah, ça va être la merde hein, d'ici quelques semaines, mois. Donc voilà, donc c'est tout les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je me semble que c'est quand même important. Parce que pour l'instant, je sais qu'on est en mode ouais, c'est généreux, ça a beaucoup de diamants. Mais sur la CIA, je me rends compte qu'au final, vu que moi j'ai pas encore fini tous les trucs qu'il y a à faire, voilà, parce que c'est chaud, au final, une fois que t'as tout fait, t'es dans la merde. Donc c'est tout, voilà. On se dit à la prochaine, les gars, prenez soin de vous, c'était Monsieur Phoenix. N'hésitez pas à voir les autres vidéos sur la chaîne, et on se dit à très très vite, les gars. Bye bye.